Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 26e épisode du Let's Play sur South Park, l'anal du destin. Pour l'épisode précédent, je suis désolé, enfin il est très court, et puis il se passe pas grand chose dedans, mais je pensais que au niveau de l'enregistrement j'en étais beaucoup plus loin que ça, plus le plantage de l'épisode en cours ça m'a un peu gavé. Comme c'était la deuxième fois que je tournais. Là j'espère que ça ne va pas planter. Et c'est parti pour la suite de nos aventures. Joyeux Noël! Joyeuses fêtes, tout le monde! Hourra! C'est encore Noël, on va se retourner la tête! Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive trop tard! Le nouveau nous a envoyé vers le futur, quand Cartman est déjà mère! Tu dois nous renvoyer dans le passé, le nouveau, avant que tout cela se produise! Ça ne marche pas. Peut-être que le nouveau a le trou du cul fracturé. Dans l'épisode précédent, je vous disais que Boîte à outils a raison. Il faut vite emmener le nouveau consulter un médecin. Attention, le nouveau. Ça allait correspondre au titre du jeu en anglais, c'est parce que le jeu il s'appelle The Fractured Wall en américain. Je suis tellement raide. Donc ça veut dire la déchirure du trou. Monsieur Mackay, il y a du pissin dans votre alcool. Arrêtez de boire. Oh, mais c'est les fêtes, vous voyez. On peut quand même lever un peu le coude. Ah, oh, mon Dieu, les revoilà. Les petits animaux tout mignons. N'ayez pas peur. Nous sommes ici pour célébrer la venue de notre Seigneur et Sauveur. Sandek, joyeux Noël à tous. Regardez, c'est le justicier dont le maire nous a parlé. Si on l'élimine, on touchera une prime. Youpi, youpi. Allez, on commence le combat. On va danser. Enfin, pas littéralement, parce que je danse pas. On va cogner. C'est ton cadeau de Noël. Hein? C'est un super sort, Fanfan. Merci, les amis. Youhou, louons Satan. Qui va les réchauffer. Alors là, de toute façon, je vais prendre un peu de dommage. Est-ce que j'invoque le moi du passé pour voir ce que ça donne? Ouais, non. On va annuler l'attaque. Un tour de moi pour les vilains. Joueur à Satan. Mais attendez, c'est Noël. Je sais qui peut nous aider, le nouveau. Il faut que tu pries Jésus. Allez. Mais oui, c'est bien sûr. On va Il prier faut Jésus. Que tu crois en Jésus, tu m'entends? Prie Jésus, le nouveau. C'est notre unique espoir. Ça ne suffit pas, le nouveau. Prie encore Jésus. Prie pour ton salut. Ça monte tranquillement. Allez, le nouveau, crois en Jésus! Ah, prie Jésus, sinon on est tous morts! Allez. Le nouveau a réussi! Quelqu'un arrive! Mais ce n'est pas Jésus qui arrive. Bien, qui a invoqué le Père Noël qui était bien tranquille dans le ciel? Vous avez putain de mérite. Pas l'air cool le Père Et Noël. Et regardez, hein. C'est le Père Noël. Le Père Noël, génial, on va pouvoir le bouffer. Gloire à Satan. Encore vous, putain d'animaux de la forêt? Papa Noël va vous défoncer le cul. Alors ça, j'en étais là la première fois que l'épisode a planté, donc... Oh zut, on n'avait pas prévu que le Père Noël viendrait. Qu'allons-nous faire? Nous avons un petit souci, Pimpin. Ne sois pas triste, Nounours. Je peux me sacrifier. Hourra! Va sentir la botte du Père Noël. Hourra! C'est la pire ferme pédagogique du monde. Donc on va aller taper par là. Fort, on va se débarrasser d'un côté d'abord. Quel délice de pouvoir utiliser ses yeux laser! Ils sont trop nombreux! Je sais pas si je vais y arriver! Ah!
Super Craig croit en toi, alors crois en lui. D'accord, je vais essayer. On zap. Aïe. On fait un petit choc électrique. Je vais invoquer le mode du passé c'est pour bon, voir. Activé. Bon, c'est comme ça qu'on fait mal. Ce n'est pas naturel. J'espère que vous n'êtes plus. C'est vraiment pas cool cette décharge. Gloire au prince des ténèbres. C'est en vous sauve. Je connais un petit fan qui est attaqué. Homme cerf-volant, prêt au décollage. C'est pas la saison de la chasse, bande de brutes. C'est parti. Méga coup de poing. Une fois encore, Super Craig tape dedans. Ça t'en saura que vous avez maltraité un animal. Oh, ça, lâche-toi de nouveau. Pas très grave. Enfin, si c'est grave de maltraiter les animaux, mais... J'aimerais t'y voir quand on t'aura grignoté les globes oculaires. Ça fait une créature de moins. La douleur est le trépas t'attendre. Hein? Hé, hey, laisse-le tranquille. Calme-toi, Twig. Oh non, j'en avais besoin de ce sang. Je t'ai eu. Filez dans vos abris! Je pleuve les éclairs! Aïe! Yeah. Un petit choc encore. Youpi! Double. Il est pas loin d'être KO, mais c'est pas grave. Si je refais ça, ça va pas leur faire grand chose. Lui est fort. Voilà, on va le brûler. Ça marche. En plus. Si tu es des enfants, c'est mal. Je ne veux pas faire le bien. Ouh. Oh, 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 chaud. Putain, il était temps. Je suis Bertem. Marmotte, elle va soigner le renard. Merci, Totor. Je me fais vraiment défoncer la rondelle. Je sais pas si vous savez, mais y a rien de pire qu'une colère de cerf-volant. Soit je fais ça. Non, je peux même pas avoir les trois. Donc, si je fais ça, est-ce que j'ai les trois? Je vais me débarrasser des deux là-bas. Mort par un laser. On va pas s'embêter. Rimolé par le feu, c'est vraiment pas marrant. Waouh, il y a encore du monde en vie en bas. Quelqu'un a demandé un coup de poing dans la gueule. Pas ça. Mais d'un coup de poing. On ne pourrait pas être amis avec rare. Satan. Ouais, je m'y attendais. À toi, cul d'enfer. Ouf, ça te fera une belle cicatrice. Ne
découvre le Père Noël. Grillé comme il faut. Calamité, je me sens défaillir. Que t'abatte le feu de l'enfer. Super Craig, non, je peux pas vivre sans toi. C'est bon, oh, suffit de me ranimer. Il va revenir, t'inquiète pas. Oh, je suis en l'air, d'accord. On va soigner le Père Noël. Mince. Fous-leur sur la gueule. Ngo, ça a dû faire mal. Alors, mission accomplie. C'est mieux d'en taper deux à la fois plutôt qu'un seul. Satan vous envoie ses plus chaleureuses salutations. Un petit cadeau des enfers. Fouet, il pleut du feu. C'est plutôt méchant ces petits animaux. Dans les dents, connard. Ressens la colère de l'homme cervelin. Je te protège. Merci de me protéger, c'est cool. C'est à toi. Tu lui as montré, enfoiré. Non, je vais sur la bonne touche. Hop, un peu de sous, un artefact. Merci pour votre aide, Père Noël. De rien. Mais c'est quoi tout ce bordel? On est désolé, on voulait revenir dans le passé, mais le nouveau s'est fracturé l'anus, alors on essaie de l'amener dans une clinique d'avortement. Je vois. Bien, vous les enfants, vous allez lui faire réparer le cul. Père Noël va retenir ces espèces de tampons usagés. Allez, filez à la clinique d'avortement. Alors là, il y a plein de cadeaux. On peut fouiller dedans. Là, je peux pas. Là, je peux. Vous voyez, c'est un comment, enfin, ce que Tina ça donne là. Tina, pardon. La ville sous Cartman. Ça donne pas spécialement envie. Voilà, à la clinique d'avortement. Doudou, les enfants, on a un tas d'avortements aujourd'hui. C'est Noël. Il nous faut un médecin pour ausculter le cul de notre copain. Laissez-moi deviner, il a une grande fissure en plein milieu. Non, s'il vous plaît, écoutez-nous. Rien de tout cela n'est censé se produire. Il faut arrêter le maire, on sait comment. Le maire? Cette pourriture a fait de la ville un vrai trouara. On peut y mettre un terme, pitié. Regardez seulement le cul de notre copain.
Ouais, il est fracturé, effectivement. Vous pouvez le réparer? J'ai posé une attelle et une petite écharpe pour libérer la pression du sphincter. Essaye le nouveau. Ramène-nous. Allez. Oh putain, mec! Ah. Tu peux y arriver, le nouveau. T'es assuré, Trouduc? Alors voilà, dans le passé. Ah, me voilà en double. Mon poussin, tes amis t'attendent dehors pour jouer. On devrait se réjouir qu'il se soit fait des amis aussi vite. Nous sommes venus ici pour nous cacher. Plus d'amis égale plus d'ennuis. Tu deviens parano. Décroche plutôt de ce truc, je commence à ne plus te reconnaître. Lâche-moi un peu. C'est le seul truc qui me détend et me permet d'oublier toutes tes conneries. Tiens, coucou, toi. Ah, t'es là, j'avais pas vu. Tes amis sont en bas. Sors t'amuser. Hop, et là, on peut récupérer... des objets apparemment. Médication. Démangeaison anale. Ok. Ok. Maman, ne pleure pas, mon cœur. Elle a juste quelque chose dans l'œil. Mais bien sûr. Les païens tentent de prendre Koupakib. Vous devez venir vous battre, Majesté, vous êtes notre seul espoir. C'est qui, ça? Eh, on joue plus aux super-héros, gros nul. Allez, le nouveau. Étriez-les, Seigneur. Écartez-vous, les gars! Il faut stopper Cartman avant qu'il remette ça! Vous faites quoi, là? Ça doit faire 5 jours qu'on a arrêté de jouer aux super-héros! Ouais, du vent, bouffon! C'est pas une blague, c'est moi, Craig! Va te faire foutre, mec, c'est moi, Craig! On n'a pas le temps pour ça! Poussez-vous! Il faut qu'on voit Cartman! Alors vous devrez nous passer sur le corps, et celui de notre roi! Ok. Notre roi ne vous laissera pas passer! Bande de bolos, fans de fantasy, vous n'avez aucune chance! Comment vous avez fait pour remonter le... J'invoque un double. Il se cachait dans ton tour du cul pendant tout ce temps! On doit protéger notre roi! À toi de jouer, le nouveau! Laissez-moi les réduire en bouillie, mon roi. Ah! Comme tout le monde ici! En double! On est trop nombreux! Les brûlés... saignent. Permettez-vous de défendre votre honneur, mon roi. Je pense qu'on si est pas trop mal. Si on fout une raclée à nos loups du passé, on change le futur? Peut-être qu'on bifurque dans une autre réalité. Ah! Est-ce qu'on pourrait établir une règle ici de dire? Au fait, le bâton de vérité, c'est juste un bâton débile. Retire ce que t'as dit. T'es furieux parce que c'est vrai. Ne brutalisez pas notre roi. Désolé pour les sonneries. En crotte de pique, revenez, sire. Le meilleur guerrier du roi peut s'occuper de ses nulos. Ok, faut que je batte Clyde guerrier. Pour le roi. Pour le roi. Vive le roi. Je vais vous affronter, moi. Je te couvre, mec. Ils n'ont aucune chance face à nos technos du futur. Ah. Yo. Allez, Trouduc. Oh. Brûlé, enflammé. Brûlé et il saigne.
cœur de l'épidémie. On va faire en sorte qu'on soit écœuré. Mes batteries sont bientôt à plat, faut vaincre nos doubles en vitesse. On invoque un petit lance-missile. L'heure de la justice maison a sonné. Je peux pas me mettre là. Si je me mets là, ça va être pas. C'est vrai, il tape que mon double, donc plutôt cool. Oh. Au revoir. Allez, acolyte, décrave-le. C'est bien de se... Si on se débarrasse d'un seul, enfin... Ça, c'est un que travail du... pour le voleur rusé du roi. Que du leader, tu ça nous débarrasse de tout le monde. Tous, moi, du passé. Je suis pas bête à ce point. Les deux Craig. Craig débile. Fauchez notre jutsu. T'es sérieux? C'est vraiment nul. Ah, j'imagine que je dois me battre contre lui. Ok, faut que je batte Craig. Je te couvre, Craig. Je vais tenir la chanson sans d'elle. À moi de jouer. Ah, il y a. Touche pas à mon Craig. Fais-je de la bouillie. Bouillie, purée, peu importe. Petit héroïque comme à chaque fois. Je gère. Ça va foudroyer. Ça va bientôt finir, non? Mec, tu te lâches trop, là. Là, on me voit. La victoire par la ruse. T'es un stratège, Wiki. C'est ton costume officiel, Super Craig? Je t'emmerde, mec, tu l'as conçu, toi aussi. Ça va, on va se débarrasser de Craig. Je compte sur ton partenaire. Les amphires ne sont pas de taille contre nous. Oh merde. Là, il va y avoir bien battu, voleur. Double de l'homme cerf-volant. Garde de la cournoie, aidez-moi à battre ces enfoirés. Ouah, pour le roi. Oui, pour le roi. T'es un adversaire redoutable, moi du passé, mais je vais te battre. Même avec tes gardes, tu ne peux rien contre moi. Waouh, le Kyle du passé avait un costume cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on va affronter Kyle. Vas-y, à toi le nouveau. Ah, ma trompe bée de stupéfaction. Hé, hey, mec, mollo. Mince. Je vais invoquer un double moi. On va se cacher dans ton tour du cul pendant tout ce temps. Eh, hey, laisse un peu de sens, insecte porteur d'épidémie. Mec, tu te lâches trop, là. N'aie pas peur, c'est un volant est là. Je leur mets une protection sur mon personnage principal. C'est l'heure. Ah,
Ok, j'ai raté les trois. C'est plutôt du Krav Maga ou du Muay Thai? En quelque sorte. À poil sur le net. Ok, encore un de moins. Après ce que je viens de faire, t'as plus qu'à déménager. Pardon, sire. Autour de Butters. Oh, bon sang. T'en fais pas, je m'en occupe. Nous combattrons auprès de vous, sire. Oh, hé hey. Ah, on est de retour. Agenouille-toi devant ton roi, futur nouveau. Allez, le roi, allez. Allez, Trouduc. Aïe. Cogne-le, le nouveau. Ah. Et imaginons que Trouduc batte le roi, mais s'efface lui-même de l'histoire. Tu réfléchis trop, Trouduc. Oui, il va invoquer tous ses doubles. Longue vie, seigneur connard. Feu. Aïe. Ça va, Trouduc. Quelqu'un doit avoir la tête qui tourne un max en ce moment, et pour une fois, c'est pas moi. Putain, pourquoi on doit en arriver là? Pouvoir lucanien. Je vais utiliser le truc de pâte. Il reste plus que 3. Ça, c'est moins cool. Fermez les yeux, les gentils. Pendant ce temps-là, dans le hall des meilleurs superpotes. Les decks seront effacés. Les esclaves libérés. Moi. Oh, je peux enfin y aller. Merci. Si j'utilise le flacon de pissasse. Par contre, on va appeler Classy. T'es mort, imbécile, mort! Je suis plus un guérisseur qu'un bastonneur, les gars, en même temps je peux faire les deux. Micro-agression, frappe-le! Allez, boum! Bah, je vais utiliser un peu mes pouvoirs parce que. Vous n'avez jamais vu de météo pareil! Que je regarde. Mon Dieu, ils foncent droit sur nous. C'est totalement débile, mais je pense que ça va pouvoir mettre utile. Merci, oncle Jimbo.
Grand est notre seigneur. Il va y arriver, Trouduc. Que je regarde. C'est valable sur 3 zones. Butters, il est... On va faire ça comme ça. Un Butters comme ça, il sera il sera contaminé. Seigneur, nous vous protégeons. Ça fera un de moins. Au revoir, mon double. Regarde ta montre, le crime, c'est l'heure du cerf-volant. Tu parles de l'Apple Watch? Désolé, Trouduc, seigneur connard. Désolé pour ce que je m'apprête à faire. Méga coup de poing! Va chier, seigneur connard! Butters, il va remettre les protections. Aïe, aïe. Non, même pas. Trop de pression! Là, il va être trop loin, par contre. On va redonner d'avis à Super Craig, parce que ça va être le premier ciblé par les attaques. Je te tiens. J'ai tout le monde de ciblé. C'est pas grave, je devrais m'en sortir. La combustion plus l'écarement. Pote de la liberté ou Kuhn et sa bande, pour moi t'es cool. Ok, j'ai tout raté encore une fois. Bien joué, Trouduc. Prends garde le mal, car du ciel fond le cerf-volant. Allez. C'était le seul résultat prévisible. C'était un peu compliqué. Heureusement que j'avais les invocations. Et mon double aussi. Ils ont battu le roi! Retraite! Ah merde, le roi a été battu! Merde, je me casse d'ici! Crotte de pique! Halt! Vous ne pouvez pas passer, il y a de la lave partout! On n'a pas de temps pour ces conneries! Oh mon dieu, comment a-t-il fait ça? Sans blague, comme si les règles ne comptaient plus! La vache, vous avez vu ça? Oh les enfants, je crois qu'Eric est là-haut dans sa chambre! Les gars, je viens de voyager dans le temps pour vous retrouver. Un chat a disparu. Grosse récompense. Minute, pourquoi vous jouez déjà au super-héros? On sait ce que tu manigances, gros tas. Mysterion? Mais tu es avec les potes de la liberté. Nous sommes tous des potes de la liberté. On vient du futur, grosse bouse. Non, c'est moi qui viens du futur. Je revenais justement de l'époque du bâton de la vérité pour vous chercher. On ne joue plus là. On sait tout. Montre-nous ta main gauche. Ma main gauche? Mais pourquoi? Montre-nous ta putain de main gauche. Ah, bonjour les potes de la liberté. Le voyage temporel, c'est vicieux comme truc. Connor, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais élaboré un plan où le nouveau m'aidait à parvenir à mes fins, mais il semble que de bons samaritains aient voyagé dans le temps pour faire avorter mon plan. Cartman, je te jure que si tu cesses pas ton petit jeu... Mais c'est sans importance, car je sais quelque chose que vous ignorez tous. C'est quoi ça? Comment faire péter quelqu'un méga fort en lui frappant dans le plexus? Ya, Connor, non! Non. Remontez la tente. Un tunnel temporel, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est cool. C'est débile. Que va-t-il se passer maintenant? Où sommes-nous, Connor? Nous sommes au temps de la naissance d'un super-héros. Tu reconnais cet endroit, le nouveau? Un enfant ne trouvant pas le sommeil la nuit. Pourquoi nous avoir amenés ici? Tu ne comprends pas? C'est la fameuse nuit, le nouveau. La nuit tragique où ton père a baisé ta mère. Du
t'approches du miroir. Ne fais pas ça. Ouvre les yeux, Kun. C'est ce qu'il a toujours voulu, rétablir les choses. Tu as entendu ta mère appeler à l'aide, alors tu as quitté ta chambre. N'y va pas, le nouveau. Tu peux pas changer le passe. Bien sûr que si. Va voir. Allons-y. Alors là, je sais pas du tout où j'y suis, où j'en suis niveau timing. Tu ne saisis pas le nouveau, je t'ai donné une chance. Alors que vas-tu faire ? Combattre les méchants encore une fois ? Ou te combattre toi-même, plus jeune, pour ne jamais découvrir ce qui se passe derrière la porte de tes parents ? Comment ça les méchants ? Eh mec, on n'est que des followers nous. Quoi ? Bah ouais, c'est toi le gamin qui a 1 billion de followers, c'est pas vrai ? On s'est dit que si jamais tu nous ajoutais, on pourrait peut-être se faire des potes. Parce que on n'a pas tellement de followers, t'as vu ? Tu veux bien nous ajouter ? Ah, bon sang de bon sang ! Ça y est, notre moment est arrivé ! Waouh ! J'en reviens pas. Youpi ! On a réussi, les mecs ! Je suis trop heureux ! Oh, coucou, toi, tout va bien ? Retourne te coucher, mon poussin. Papa et maman ont des choses à faire, ok ? T'as réussi ! T'as bloqué ton père, t'as sauvé ta mère, le nouveau ! Haha, c'est vrai ! Et maintenant, plus personne ne peut m'arrêter. Je pars vers une autre époque, pas... Connard, non ! T'es qui, toi, bordel ? Je suis le Kun, voici votre fils venu du futur. Notre enfant du futur ? Bon sang, je savais qu'un truc comme ça arriverait. Notre enfant sait qu'on a menti et veut des réponses. Tu as raison. Nous n'avons pas été francs. Mais c'était parce que nous voulions te protéger. En fait, ta maman et moi, nous avons des capacités et des pouvoirs que n'ont pas les humains normaux. J'ai découvert le mien quand j'étais jeune. Qu'est-ce que ça va être comme quand ? Un jour, j'ai créé un profil Facebook et en quelques heures, j'ai eu plus de 3 millions de followers. Mes pouvoirs sont du même genre, mais ils ne fonctionnent que sur Instagram. Dès que j'ai posté ma première photo, j'ai eu 4 millions de followers. Naturellement, des pouvoirs de ce genre ne passent pas longtemps inaperçus. Peu après, ta mère et moi avons été enlevés par les autorités. Des chercheurs ont fait des expériences sur nous pendant des mois pour essayer de savoir pourquoi on avait aussi rapidement autant de followers. C'est là que j'ai connu ton père et que nous sommes tombés amoureux, dans un sinistre labo gouvernemental. Oui. Le jour, il faisait des expériences et la nuit, on faisait l'amour. En associant les pouvoirs de ta mère aux miens, tu as eu plus de 10 millions de followers dès ta naissance. Le temps qu'on coupe le cordon ombilical, tu avais déjà dépassé tous les Kardashians réunis. C'est pour ça qu'on a dû s'enfuir. Car on savait que le gouvernement allait se servir de toi pour faire des choses horribles. Depuis, on déménage de ville en ville pour leur échapper. Mais partout où on va, tu continues à accumuler les followers. Parfois, ils entrent chez nous par effraction et utilisent nos toilettes juste pour être plus proches de toi. C'est pour ça qu'on mettait un médicament spécial dans ta nourriture, mon poussin, pour diminuer tes pouvoirs. Mais ça n'a pas marché. Les effets secondaires t'ont donné des pets vraiment puissants et particulièrement odorants. On est désolé, trésor. Oh mon Dieu, je suis tellement soulagé d'avoir enfin avoué la vérité. Moi aussi. J'ai l'impression que je ne vais plus être obligé de boire. Et moi, je serais plus obligé de fuir mes problèmes en me baffrant de Space Cakes. Oh, ma chérie, j'ai la sensation que tout va changer. Je crois en nous. Oh, mon Dieu ! Et toi, mon poussin, maintenant que tu connais la vérité, est-ce que tu penses pouvoir croire en toi aussi ? Bah oui. Allez. On retourne dans le futur, je pense. Regarde, on est rentré à South Park, en plein centre-ville. Mais ils sont passés où tous ? Et surtout, en quelle année on est tombé ? Allez, c'est parti ! Regarde, mec ! Aujourd'hui est un grand jour pour South Park. Longtemps, cette ville craignait. Mais Mitch Connor va enfin être investi maire ! J'ai l'honneur de vous présenter Mitch Connor,
Un mec qui a des couilles grosses comme ça et qui va tout changer. T'as réussi, Trouduc. C'est le jour de l'inauguration. On peut encore empêcher Connor de devenir maire. Allez, on y va. Eh ben les amis, on va s'arrêter là. Ah, par contre, le drapeau n'est pas activé. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur South Park, l'anneau du destin. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.